Bah, le Gabon dans cette poule là est un élément qui constitue la mort de la poule entre guillemets. Pourquoi on appelle ce groupe là le groupe de la mort? Parce qu'il est Gabon aussi. Parce qu'il y a évidemment le Maroc qui a déjà gagné la CAN, parce qu'il y a évidemment le Ghana qui est un mastodonte de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parce qu'il y a un petit poussé qui est très très fort qu'on appelle le Comore. C'est une poule très difficile. Voilà, c'est une poule très 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 difficile qui sera aussi très relevée. Mais ce que je sais de l'équipe gabonaise et de l'expérience que j'ai depuis que je suis le foot, c'est que plus c'est difficile et mieux c'est pour le Gabon souvent. Et je suis convaincu qu'avec avec une dose de surmotivation, avec une envie débordante, le Gabon est capable de faire mal à n'importe qui. Le Maroc, qui en a l'habitude, qui a l'habitude de souffrir contre nous, entre guillemets. Le Ghana, qui est aussi qu'on a battu sur les 15 dernières années, je me souviens du 2-0 au stade Omnisport, ouais, avec Rocky Meye et Moulungi qui étaient phénoménaux. Mais ça va être dur dans le fond et dans la forme, parce que le fond, c'est surtout que l'équipe du Gabon aujourd'hui peine à trouver ses vraies marques. Les vraies marques, c'est surtout cet esprit de solidarité et surtout cette cohésion qui peut faire en sorte que l'attaque qu'on a, une si belle attaque avec Aubameyang, Bouanga, Boupenza, soit une attaque prolifique. Donc on marque plus beaucoup de buts depuis quelques temps, et surtout on n'a pas de défense ou presque pas de défense. Donc on n'a plus Moussa Boukning qui lui ne fait que se blesser depuis qu'il est allé en Inde, et même quand il était en Europe c'était pareil. On n'a pas Aroa Pinangoy qui avait formé un beau duo avec Ekwele Manga. On a un Ekwele Manga vieillissant. Derrière, c'est du bricolage, et on ne fait pas de grande Coupe d'Afrique des Nations sans une défense solide, sans une vraie bonne défense et surtout sans une cohésion. Et on ne fait pas de grande CAN sans un grand gardien, et aujourd'hui c'est le vrai vrai problème. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est un ensemble d'incertitudes qui vont nous guider vers la CAN. Mais comme on dit, c'est un tournoi, et dans un tournoi tout peut se passer. C'est à cela que moi je m'accroche en me disant ils peuvent nous surprendre. Les Comores, ça va être une équipe difficile à jouer pour une simple raison: ils viennent pour la première fois à la CAN. Quand on vient pour la première fois à la CAN, on a une hargne, une envie incroyable de tout déchirer. Le pire pour les Comores, c'est qu'on les prend en premier match. Ça, c'est un truc qui pour moi est effrayant. Et les Comores jouent mieux que le Gabon. Je le dis parce que je suis un connaisseur de foot. D'un point de vue du jeu, de la tactique, de la cohésion, les Comores, voilà, ça joue mieux que nous. Mais après, d'un point de vue de l'expérience, c'est peut-être aussi là où on sera un peu chanceux, c'est qu'ils peuvent mal appréhender le match, ils peuvent avoir envie de trop bien faire et qu'ils peuvent se planter également. Il y aura aussi cette absence d'expérience en compétition, parce que la CAN, c'est quand même une autre dimension. Ils peuvent se planter littéralement, être tétanisés. Et peut-être derrière aussi, avec l'expérience qu'on a, Aubameyang et toute la bande derrière. Mais individuellement, on est bien beaucoup plus fort. Mais collectivement, c'est pas terrible. Mais les Comores, c'est bien mieux. Donc oui, moi, l'adversaire qui me fait le plus peur dans ce groupe, ce sont évidemment ces Comores-là. Mais bon, quand on est une grande nation de foot, entre guillemets, parce que le Gabon, sur les 10 dernières années, a compté quand même sur le continent. Quand on a un grand pays comme le nôtre qui a organisé deux Coupes d'Afrique des Nations, quand on a de grands joueurs, certainement l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du football africain avec Aubameyang, on ne doit pas avoir peur des Comores. On doit pouvoir se dire, on les détruit et on passe. Bah déjà avant 2010, toutes les émotions que j'ai pu avoir autour des Panthers m'ont été racontées. J'ai de la chance d'être très proche de Kiro Genzamba, qui vit actuellement en France, qui est entre Bordeaux et Toulouse, qui m'a souvent raconté d'énormes anecdotes et tout ça. J'ai de la chance d'avoir échangé beaucoup aussi avec les François Amégas et Enco. Mais en tout cas, moi, le premier vrai souvenir, la première vraie CAN que j'ai regardée du Gabon, c'est évidemment la CAN 2010. Parce que 2000, je l'ai regardé de façon approximative, j'étais très jeune. En 2000, j'avais à peu près 10 ou 11 ans, donc j'ai juste le souvenir de ce tacle victorieux de Dzigu Star avec ce centre de Daniel Cousin qui était à l'époque une très très grande star. Mais 2010 pour moi reste un très très beau souvenir, mais un souvenir qui me reste en travers de la gorge. Parce que j'étais à l'UOB à l'époque, et je me souviens que lorsqu'on a gagné le 1-0 face au Cameroun avec ce magnifique but de Daniel Cousin, sur une gorge de Rogi, d'ailleurs que je salue au passage, Rogi qui était un formidable attaquant. On était sorti du campus, on était peut-être 500 personnes dans les rues en train de courir entre l'UOB, SBG, et on est allé jusqu'à un bar qu'on appelait le bar Maman Eto, etc. On est rentré dans le bar, on a bu, etc. Et pour ce qui est des émotions avec l'équipe nationale du Gabon, si tu enlèves 2012, parce que j'allais au stade, pour moi c'est la première grande et vraie émotion que j'ai eue en 2010 avec cette victoire contre le Cameroun. Le Cameroun,
qui d'ailleurs quelques mois avant nous avait humilié après que le feu Omar Bongo soit parti et qu'on ait retardé ces deux matchs où on aurait dû en principe les battre, voilà. Mais pour moi c'était une revanche. Et en plus, contre les Camerounais, contre les voisins, c'était un beau match, un match de solidarité où l'équipe avait tout laissé. Malheureusement, je pense que ce match-là nous avait épuisé pour la suite et après, derrière, ça avait été beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, c'est un premier grand souvenir. C'est l'un des plus gros souvenirs que j'ai. Et 2012, c'était beaucoup plus douloureux que 2010 notamment. Bah, j'étais l'un des premiers d'ailleurs à apporter mon soutien à Didier Ndong. J'étais l'un des premiers à être au front aussi dans cette affaire de Didier Ndong qui n'est pas allé en sélection et qui derrière avait envoyé un message pour dire qu'il soutenait. Dans le fond et la forme, dans le fond, de toute façon, Didier Ndong, il a retenu l'assentiment de tout le monde et tout le peuple gabonais était d'accord pour qu'il milite contre. Sur la forme, c'était moins bien. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on mène des combats en boycottant la sélection notamment. Et le passage de Patrice Neveu sur Talent d'Afrique, je le regardais avec beaucoup d'attention. Patrice est quelqu'un de formidable. D'ailleurs, il y a deux semaines, je l'ai rencontré lors de la présentation du trophée de la CAN. J'ai discuté avec lui, je sais ce qu'il pense dans le fond. Et je considère que ce passage sur Talent d'Afrique était une opération de communication. Et en tant que communicant, voilà, je m'abstiens de décortiquer le fond parce que ce serait critiquer Patrice, que je trouve est un excellent entraîneur, était quelqu'un d'expérience, il connaît très bien le continent. Peut-être mieux que moi d'ailleurs, et donc qui sait évidemment ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire publiquement. Mais je reste pessimiste évidemment quant à la participation de Ndong à cette Coupe d'Afrique des Nations parce que je l'ai écrit, je l'ai tweeté en disant que voilà, j'y crois pas. Et que derrière, moi je militais plus pour un échange interpersonnel. Il fallait, au moment où la situation est arrivée, surtout pour les dirigeants de notre football, de notre sport, que ce soit le ministre qui a fait un tweet maladroit, que ce soit le président de la fédération qui ensuite s'est exprimé sur une question d'ailleurs qui n'avait rien à voir avec Didier Ndong notamment, qui a fait une interview aussi. Patrice Neveu a fait une interview également dans l'Union. Je pense qu'il aurait dû avoir un apaisement tout de suite après, faire asseoir non seulement Didier Ndong, parce que je sais que la polémique ne concerne pas forcément la fédération, ne concerne pas le ministre rentré dedans, il n'aurait pas dû d'ailleurs en tant que grand. Et en tant que ministre, la polémique a concerné l'intérieur du groupe. Donc naturellement avec Mario Lemina qui est venu ensuite titiller un peu Didier Ndong sur Instagram. Certainement Aubameyang aussi qui est venu rajouter. Moi-même j'ai reçu un message d'Aubameyang qui croyait que c'est moi qui avais écrit le message de Didier Ndong. Donc on est sur une braise. Et lorsqu'il y a feu, il faut évidemment ne pas attiser le feu. Il faut naturellement apporter du sable ou de l'eau et puis voilà quoi. Pas non. Ben non. Je sais qu'à l'époque, Guy Rodjian-Zarima me disait déjà qu'en 96, il y avait déjà un peu d'antagonisme, etc. Mais la force de ça, c'est qu'il y avait des managers à l'époque. Il y avait des gens qui étaient capables de dire Pierre Obama, tel, etc., etc. Ceux qui viennent de l'étranger, Régis Manon, mettez-vous au service du collectif. On a un objectif, aller très loin en compétition. Mettez vos égos de côté, que tu sois star ou pas star, on doit s'accepter, on doit avancer. Aujourd'hui, ça va être difficile pour qu'ils s'acceptent. C'est difficile que le groupe accepte Didier Ndong parce que c'est vraiment aller très loin. Moi, je connais le contenu de quelques échanges et puis naturellement, en compétition, ça peut se ressentir sur le terrain. Ça va se ressentir sur le terrain si et seulement si Didier Ndong venait. Ça, c'est ce que Patrice Neveu a voulu faire comprendre, que ça va être un problème si Didier Ndong vient. Déjà que pour la petite histoire, moi, je sais que l'arrivée de Lemina en équipe nationale a déjà été problématique parce que Lemina fait partie, comme l'a dit Romain Molina, etc., de ces joueurs qui sont venus en sélection, qui ont dû négocier leur arrivée et qui ont dû être mis sur un piédestal, entre guillemets. Et ça n'a pas forcément plu aux locaux, entre guillemets, les enfants du pays comme Didier Ndong et les autres qui ont mal vu la venue de ces stars binationales, etc. Et je sais que ça a été chaud dès le début entre Didier Ndong et Mario Lemina. Moi, je sais que ça frictionnait même. Je sais que ça a été compliqué aussi ensuite avec la bande des métis et la bande des blacks, entre guillemets. Donc, c'est revenu un tout petit peu, mais le pire, c'est que voilà. Les métiers sont en position de force. Et dès qu'ils disent des trucs au coach, il va réfléchir à 5 fois. Parce que ouais, ils mettent pas forcément pression en mode nous on veut jouer, non. Et en guillemets les métiers, moi je dis les métiers, je le dis, parce que je dis tout haut ce que tout le monde pense. Je pense que c'est les métiers, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe maintenant aujourd'hui. Donc ils sont solidaires entre eux. Et si les gars ils disent au coach indirectement ou pas que ce gars la gêne, le coach il va écouter qui? L'ensemble. Donc on comprend très bien que voilà, la CAN ne sera pas pareille ne sera pas pareil sans Didier et avec Didier elle pourrait ne pas être pareille aussi.
j'ai envie d'être optimiste en me disant qu'on va, on va sortir parce que là c'est on est capable de pas. Parce que vous savez, c'est mini formule championnat, on prend le meilleur troisième, etc. Mais la vérité c'est que j'y crois pas. Ça c'est profondément, j'y crois pas. Profondément. Parce que c'est pas bien organisé, parce que l'atmosphère n'est pas terrible. Là, la CAN c'est dans quelques jours. Je le sens pas. Mais bon, 2010, bon, on sortait d'un truc extraordinaire, on avait fait un bon match contre le Cameroun, il y avait quelque chose. 2012, il y avait quelque chose, ça se voit, il y avait un sulfure, un truc, tu sentais quelque chose. Mais là, il n'y a pas ce truc-là. Et moi, ce qui me fait le plus mal, tu mets le côté suiveur des Panthères, communicant, journaliste et tout ça, tu mets le côté patriote, hein. Moi, j'ai pas envie d'aller au Cameroun les supporter. Parce que je trouve que cette équipe ne renvoie pas un côté agréable. C'est-à-dire que tu as l'impression que certains ont emprisonné l'équipe, en ont fait une propriété privée. Et lorsque quelqu'un a une propriété privée quelque part, on le laisse se débrouiller avec sa maison. Et j'ai l'impression que le peuple, aujourd'hui, je discute avec beaucoup de gens, les militaires, je rencontre tellement de gens tous les jours qui me parlent des Panthères, le sentiment que j'ai, depuis 3 mois, je parle avec des gens, peut-être 1000 personnes, le sentiment que j'ai, c'est que les gens n'ont même pas envie que cette équipe gagne. Moi j'ai envie qu'elle gagne. C'est peut-être moins brutal que 2007 parce qu'il y avait eu un autre climat. Mais là, c'est une question que c'est pire parce qu'il n'y a pas de raison vraiment. Simplement que la raison qu'il y a, c'est que socialement, les gens ne se reconnaissent plus en cette équipe. Il y a 2 facteurs qui font que les gens ne se reconnaissent pas. C'est que derrière, ceux qui dirigent l'équipe protègent excessivement un peu trop l'équipe. J'ai pas vu ces Panthères-là faire un acte social, faire un truc sympathique, ou ces Panthères-là être des Panthères qui sont proches du peuple, ils font des petits trucs, voilà. Et puis d'un autre côté, les joueurs eux-mêmes ne montrent pas un côté sympathique des gens qui aiment ce pays. Le Gabonais a un truc qui est extraordinaire. Il peut aller où il veut, mais le Gabonais aime les gens qui aiment son pays. Le Gabonais aime ça, c'est-à-dire que s'il voit quelqu'un qui aime son pays, qui présente le drapeau de son pays, qui revendique l'identité du pays, qui se bat pour son pays, le Gabonais va t'adorer et il va te suivre partout où il est. Mais une équipe nationale, c'est un symbole, c'est un trophée, mais un trophée qui doit pouvoir être agréable aussi. Et aujourd'hui, ce trophée-là n'est pas du tout agréable pour beaucoup de gens et pour moi non plus, parce que ça fait quand même bientôt 3-4 mois que j'ai dit que je vais arrêter un peu de parler de cette équipe nationale et des Panthères parce que bon, évidemment, ça me vaut d'être... d'être quasiment agressé verbalement très souvent. J'ai même failli être empoisonné 2 fois pour la petite histoire, mais bon, chacun son histoire. Mais ce qui est certain, c'est que le foot, c'est le jeu, évidemment c'est l'organisation, et c'est aussi et surtout tout ce qu'il y a autour, les esprits et les énergies positives. Et je ne sens pas ces énergies positives-là converger vers un idéal, celui de la réussite des Panthères. Donc j'espère, mais j'y crois pas. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Farrell.